Coucou à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo présentation d'une créa. Alors la créa que je vais vous montrer ne vient pas de mon imagination. Alors c'est une création que j'ai vue sur la chaîne de Les Lubies de Loli. Alors je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et quand j'ai vu les créations qu'elle présentait, de suite m'est venue l'idée d'en faire une pour une amie. Et je savais que ça allait lui plaire. Voilà, c'est un petit une petite boîte chariot et j'ai adoré l'idée. Alors c'est réalisé avec là je l'ai réalisé avec une boîte en carton. Alors les dimensions, je vais vous dire, en caméra ça se voit pas. Alors ça fait 17 et demi sur 13 et un 17 et demi sur 13. Et oui, 17,5 sur 13. Hein. Voilà. C'est un truc qu'on peut faire. C'est une boîte qu'on pourra réaliser. Alors, les roues, je les ai réalisées avec les, vous savez, les rouleaux dentelles qu'on trouve chez A. Je les ai enlevés. J'ai mis. Voilà. Je me suis servi de ces cercles en bois pour faire les roues. Ensuite, là, c'est des embellissements en fleurs, pareil, qu'on trouve chez A. Et celle-ci, c'est chez N qu'on avait trouvé ça. C'était des petites boîtes. Ensuite, la dentelle, c'est cette dentelle-ci qu'on avait trouvée chez N. Et ensuite, après, c'est tout un assortiment de fleurs en papier, des découpes de feuilles, de la ficelle verte. Voilà. Et ensuite, ça, je l'ai trouvé sur. C'est une image que j'ai imprimée sur du papier canvas. Je trouve que ça fait super joli. Ça, c'est un bout de tissu. C'est des chutes de rideaux de ma fille qu'on avait quand elle est partie à son appartement pour faire ses études. C'était les chutes du rideau. Assez épais, donc je trouvais ça assez sympa. Et la personne à qui je vais offrir cette créa adore le vert, les écureuils, tout ce qui est nature. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis une photo écureuil. Là, je l'ai laissé plus simple. Hein. Je vais juste rajouter un petit bouton. Et ensuite, là, le petit nœud, j'ai mis des petits cœurs, des petits embellissements en fer en cœur. Et ensuite, ce côté, c'est un petit hérisson. Et pareil, sur un ensemble de fleurs, des petits trucs qu'on trouvait chez N. Ça, c'est une fleur par contre de Nanny Scrap qu'elle m'avait envoyée. J'ai mis ici. Et ensuite la dentelle de Géa. Et là, pareil, j'ai mis des découpes de feuilles. Si ça peut vous donner des idées, alors je précise bien que ce n'est pas mon idée. C'est les lubies de Loli. Vous retrouverez, elle fait des trucs super et vous retrouverez des créations à faire. Ça peut vous donner de l'inspiration. Moi, en attendant, elle m'a bien inspiré, cette dame. Je trouve ça super. Voilà. Donc je fais la vidéo. Quand elle sortira la vidéo, mon ami aura reçu son petit cadeau. Enfin, je serai venue le lui amener. Voilà, donc vous l'aurez un peu plus tard. Enfin, vous l'aurez. Je sais pas comment. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye!